Oui. Bienvenue. C'est tout. Non, mais c'est parti. Voilà. Let's play Tales of Berseria. Je suis Yaka. Vous êtes sur la chaîne de la saison 1. Et on continue. On se reprend juste là où nous en étions. À côté de ce pêcheur expérimenté. ただでさえあの12には危ないゴーマがいたのに今度は別の群れが出てしかも逃げたんだってさだからあちこちに大麻師が増えてるだろその群れにいるのはどんな傲慢なのそれは俺たちも知りたいんだが清涼の連中は何にも教えてくれないんだ船の積み荷を見せろだの、しばらく漁には出るなだのゴーマが出るたんびに仕事が止まって大言われさ 本当に迷惑な傲慢どもだよ。俺が大麻師なら、ぶっ飛ばしてやるのにな。結局、いつも苦しい思いをするのは、大麻師でも傲慢でもない。俺たち庶民なんだよ。ま、あんたらも気をつけなよ。そうするわ。殴られないようにね。 Oui, encore une fois, on joue sur l'ironie de la situation. C'est bon, ça marche une ou deux fois, mais là, c'est lourdingue, les mecs. Ces exorcistes travaillent dur, alors remplissons leur estomac avec nos meilleurs... Ah, putain, merde, nos merveilles de la mer. Désolé, je suis en train de me... Ah, c'est bon. Nous allons leur donner de la limande, de la barbotte et du maquereau, mais aussi du poisson globe, du poisson pierre et de la pieuvre à anneaux bleus. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Du poisson-pierre, c'est un peu dur quand même. Jeune pêcheur, je crois que je devrais devenir exorciste. Il suffit d'ordonner à des malakims de se battre, non? Je suis doué pour apprendre aux chiens à faire des tours. Oui, c'est une excellente idée. Ou alors, je suis pas certain... Certain, ouais, d'accord. Je suis pas certain qu'un malakim peut être comparé à un toutou, mon gars. Je pense que ça va mal se passer pour ton matricule si tu croises des malakims et que tu leur dis ça. Pêcheurs, cet équipage, ils ont l'air incroyablement joyeux, non? Oui, je les envie de pouvoir rire de bon cœur en ces temps pareils. En ces temps pareils, what the fuck? T'es sérieux, là? C'est pas ouf comme phrase. Bonjour. Tu feras gaffe, t'as un poussin sur le chapeau. Aifrido a encore vivant. 当たり前ですよ。残された時間は多くはないがな。どういうことだよ。焦るな。事情は後で話す。アイゼンも焦らないでね。全員されとも頼んだな。もちろん。くたばったやつはいねえだろうな。みんな生きてますよ。副長の呪いに比べたら 海賊病なんてちょろいもんさ。よし。出航準備に取り掛かれ。とっくに終わってますね。いつでも出られるってのは。海賊の流儀か。悪くはないの。Ouais, plein de dialogues. Non mais moi je voulais changer d'île en fait. Oh non, arrête hein. Déjà toi sors pas ton peigne parce que tu me saoules. Mais qu'ils vont tous là-bas eux. D'accord, très bien, pourquoi pas. Dail, c'est une chose, mais maintenant Kurogane s'y met aussi. S'il tombe, il va se noyer. En plus il n'y a pas de tête. Nous n'aurons qu'à le repêcher, il a l'air de s'amuser comme un fou. Oui, c'est évident. Même si ce n'est pas vraiment facile d'en être sûr sans avoir son visage. Bonjour, je suis chauve. La salle Thomas a fait effet. Tout le monde est en pleine forme. Nous n'oublierons pas l'aide que vous nous avez apportée. Et le dégoût de cet aliment. Ouais, vas-y, on bouge. L'équipage est de retour et motivé comme jamais. Nous voilà partis pour Isole. Ah. Du coup, maintenant, on a débloqué différentes zones. On peut aller à Canix. Pour donc aller prélever l'ingrédient dont on a besoin. Alors ça, je le ferai en off. Pareil, s'il y a des scénettes ou quoi que ce soit, peut-être que voilà, je filmerai, j'essaierai de prévoir le logiciel à côté. On a la zone de classe 4. Je ferai en vidéo pour... Enfin, j'irai
Quand on ira là-bas, on fera en vidéo pour voir si ça fait quelque chose. Et si en fait c'est juste une zone où il y a où, pour farmer, et ben on se dit, et ben je couperai là et puis je farmerai dans mon coin. Mais là, de toute façon, dans l'immédiat, on va continuer la quête. On va aller à Isolde. C'est parti. Hein. On est à tête de tout au calme. Aifrido no koto wa zannen datta kedo, kaizokudan no minna genki ni natte yokatta. Saretoma wa nido to nomitaku nai to itte ta ga na. Erenoa wa? Erenoa mo nonda ato zutto mazui tte kao shite ta yo. Kao ja nakute karada no hou. Ah. Un. Genki mitai. Nara ii. Erenoa ga shinpai nan da ne. Sonnan ja nai. ボウ、覚えておけ。年頃の乙女は自分の気持ちを素直に出せぬものなのじゃ。ベルベットは年頃の乙女ってこと？マギル、ライフセットに妙なこと吹き込まないで。ボウのことには素直じゃの。世に平和と秩序をもたらすために聖霊はある。聖霊やメルキオール様の行動もアルトリウス様の深いお考えに従ってのこと。なのにこの不安や違和感は。下がりなさい。お前が知る必要のないことだ。どうかしたのか？おいおい、そんなに怖がるなよ。怖がってなどいません。私に何か用ですか？いや、ため息なんて具合でも悪いのかと思ってな。いえ、きちんとサレトーマは飲みましたから。えらくまずいんだってな、あれ。別にそれほどでも。お前何ですか？ゴーマが怖いのか？違います。ゴーマが憎い。10年前、ゴーマの群れに襲われ、私の村は全滅しました。お前の家族も？はい、たった一人の家族だった母が、その混乱の中で残されたのは、母がくれたこの手鏡だけです。こんな思いをするのは私だけでいい。だから私はゴーマを撃つ対魔師になった。情けも気遣いも無用です。もう分かったよ。Je sens venir la scénette. Je sens venir la scénette. Ah non, même pas. Ah, je suis triste. Enfin non, parce que du coup ça fait avancer les choses. Nani are? Are wa penguin to itte この地方特有の魚鳥類よ。ペンギョン。お肉がプリプリでトマトシチューに入れると美味しいんです。へえ、どんな味なの？あれを食べるなんて。やばね。みーみーみずい。あなたに言われたくありません。母の得意料理だったんです。世間話はそのくらいにしておけ。マギル、例のグリモワールというのはどんなやつだ？端的に表すのであれば、ふう、はあ、あっそう、こんな感じじゃ。全然わからん。い
やれやれ、想像力の乏しいお主らに合わせて言うと、グリモ姉さんはアンニュイな勇敢マダムの黄昏的な空気をまとった大人の女じゃ。ベルベットやエレノアとは違う感じの女の人ってことかな。違いない。要するに大人の女を探せばいいんだな。うん、探すのは大人の女の人。名前が分かってるんだ、聞き込みで探し出せるだろう。そういうことじゃの。なんじゃば。マギルーも大人の女の人でしょ。なのに自分の気持ちを素直に出せないの。自分の気持ちか。あいにく塔の昔に砕け散ってしまったのじゃよ。バリンクシャーンってな。気持ちが砕けた。さあ、町の連中に聞き込みを。Oh la musique, Isol, la ville des mers Austral. Ah d'accord. Attendez. Que quelqu'un sorte un ukulélé, faites quelque chose. Ok. Non, laissez-moi baisser le son. Ok, c'est hilarant. Une barque. Un caillou. Non mais ça, c'est, moi je trouve ça horrible quoi. Ils croisent une créature qu'ils connaissaient pas. La première chose qu'ils se sont dit, quel goût ça. Non mais calmez-vous, c'est vivant. C'est putain de vivant. Merde. C'est horrible. Bref. On va descendre un petit peu. Ok, bah y'a rien du tout. Pourquoi je suis allé là, je suis pauvre. Bon, bah c'était complètement useless. Alors, nouveau lieu, nouvelle zone. Ah, je serais bien chaud quand même pour essayer d'aller voir les autres zones. Enfin, la zone dangerosité 4, je sais pas quoi. Là. Pêcheur. Un collègue pêcheur m'a dit qu'il avait vu un poulpe dévorer une baleine. Ce poulpe est certainement un démon. Cela signifie que le fléau démoniaque a contaminé la mer. Oh mon dieu, tu voudrais dire que la mer elle-même est un démon démoniaque. Oh mon dieu. Un démon démoniaque. Mon dieu. Ça donne envie d'acheter plein de trucs. Excusez-moi. Vous ne connaîtrez pas une femme du nom de Grimort. Je ne sais pas. Je ne sais pas un Grimort. Ça ne me dit rien. Ça ne ressemble pas à un nom de Sudgan. Vous êtes sûr qu'elle vit sur cette île? C'est la première fois que vous venez au Sudgar. Vous devez vous protéger la peau du soleil ou vous le regretterez. Merci de nous prévenir, c'est bien, c'est gentil. Hein, mais oui, j'aimerais bien qu'elle s'habille un peu. Parce que bon, là, elle est un peu à poil. Quoi. Mais bon, faut pas le dire. Voilà. Après, les Japonais pourraient se vexer. Non, on ne sait jamais. Il y avait un coffre de l'autre côté, mais on peut pas trop y aller, hein. Donc bon, hein. Bon. C'est quoi ça? Objet. C'est quoi ça? Lavande rouge. Qui augmente l'attaque de 3 points. J'ai très envie de lui attribuer, mais c'est vrai que Rokulo, c'est pas mal aussi. On va mettre à Rokulo. Parce qu'il est un peu pété, donc autant encore le booster. Hein, le booster à mort, je suis un malade. Je suis un ouf, moi. Mais je suis un ouf. Ok, donc les plantes deviennent plus puissantes. Ça peut être intéressant. Sympa la zone. Hein, ça dénote complètement avec le reste. C'est plutôt sympa. On varie les paysages. C'est cool. Les ambiances. À l'époque de mon père, le Sudgan était un véritable paradis. Il suffisait de pêcher pour vivre. Mais à présent, nous sommes coincés entre les démons et les règlements des exorcistes. Ma génération n'a vraiment pas eu de chance. Oui, de la chance, elle n'en a point. Eh, mais moi, je vais aller voir s'il y a le coffre là-bas. Ah ouais, non, mais à mon avis, ça va être mort. Non, moi, j'atterris là. Comment on fait pour aller en bas, là?
putain, faut passer par en bas. Oh là là. Oh là là, ça va être relou. Il faut descendre. Il faut descendre. Mais attends, on peut même pas passer. Ah mais si, on doit avoir pied. On doit avoir... Ouais mais bref, ça je le ferai en off, on s'en fiche. Ok, on connaît pas la zone, on sait pas où on va, c'est la full merde. Donc déjà à gauche, il y a du dialogue. Oh, je vous avais pas vu. Oh, vous êtes du nord, bienvenue à Isol. Le sud Gange se compose de centaines d'îles tropicales. Avant, chaque île possédait sa propre ville et sa propre culture, mais le fléau démoniaque nous les a presque toutes enlevées. Oh, mais ne vous inquiétez pas, il y a de nombreux exorcistes sur cette île pour assurer votre sécurité. Votre seguridad. Ok, ok. Mais moi, je veux les dialogues. Avec les... Oh, des soldats. Pardonnez-moi, recherchons une femme... Ah merde, c'est Léonore qui parle. Ouais, mais peut-être qu'elle a pété un câble entre-temps. Hein. Pardonnez-moi, nous recherchons une femme du nom de Grimor... Grimor... Oh, ta mère. Vous la connaissez? Ayez bien peur que non. Mais je suis où trouver des vers gris moirés. Ce sont des bestioles flasques un peu comme des vers gris bleus. Et on peut les utiliser comme un pas pour pêcher, mais ils ne sont pas aussi efficaces que les vers gris verts. Je vois, merci du conseil. Eh bien, en voilà un paquet d'informations inutiles. Mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas complètement inutile, c'est de la patience, Ouais, c'est pas ce que je dis, ces gens sont chelous. Ok, donc un cafre, hein, ouais, un cafre, vas-y. Ok. Ok, je suis content. Je suis hyper content. Je suis hyper content. Tellement je vais vomir. Pas du tout. On se retient. Alors... Oui, ben alors ça, c'est très important. Quand on sait pas où aller, il faut aller à la taverne. Je recherche une femme du nom de Grimaud... Oh, l'autre connasse, là, vous la connaissez? Eh bien, je suis là depuis 29 ans et je n'ai pas rencontré une seule femme. Je vois, désolé pour vous. Et par contre, ça fait 29 ans, je suis pas sorti de la taverne. Ça fait... Oh, ça, je suis un verre. Je suis complètement bourré. Tavernier. Dans le nord, certaines personnes critiquent le peuple de cette gamme parce que nous mangeons des pingouins. C'est marrant, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Je suis un pur produit de cette gamme, mais je comprends bon leur point de vue. Après tout, dans le nord, ils mangent de la porc. Ça me semble d'une cruauté insoutenable. Ouais, bah les deux me semblent cruels. Oh, des petites images. Moi j'aime bien. Qu'est-ce... Oh, donne du boulot. Attends, je prends la picole et donne du boulot. Tu es un vrai bourreau de travail, toi. Bon, j'ai justement ce qu'il te faut. Ah non, t'as rien du tout. Je t'assure, t'as rien du tout pour moi. Et le chauve? Merde, j'ai parlé à un tonneau. Et le chauve? ローグレスと比べると随分雰囲気が違うわね。買い物の日より前はもっとのんびりしとった。だが、最近は都会に憧れる若いのも増えてな。 随分せわしくなったもんだよ。清涼のおかげでゴーマ病が出始めた頃に比べたら暮らしやすくなってきたでしょ。人が各地を行き来するようになったことで船の需要も増えて、この島の材木の需要も増えたの。金が入って潤った人々の生活が変わり始めたというわけじゃな。やっぱり中央から来る大麻市や兵士はどこか垢抜けてるし、外から来る人たちは この島と違う服を着て、この島にはないものを持っているでしょ。刺激の多い町場に憧れの場所、踊り踊らされる。その愚かさこそが若者の全てじゃからの。そんなことしてると島の伝統が消えてしまうと、わしは心配してるんだがね。おじいちゃんの気持ちもわかるんだけど、若い人たちにいろいろ押し付けるのもね。 Putain, quel con. Je suis revenu sur le game sans remettre le son. Ça allait pas le faire. Un vieux con. Hein, pardon, désolé. Et quand j'étais jeune, j'étais fier des traditions de Sud-Gand, mais peut-être que je ne fais que ronchonner comme le vieux crouton que je suis devenu. Ça c'est sûr. Quand j'étais jeune, j'étais fier des traditions de Sud-Gand, mais peut-être que je ne fais que... Ah, mais merde. Mais oh putain, je peux pas parler à l'autre. Eh, regardez, mais je peux pas. Ah, ça y est. Ici, les cultures sont dures, mais ce n'est pas la seule chose qui rend cet endroit dangereux. Il n'y a pas beaucoup d'exorcistes aux alentours, je me sentirais plus en sécurité dans une ville où l'abbaye est plus présente.
Ok, d'accord. Ok, pas de problème. Salut les gars, je monte l'échelle. Et j'espère que ça vous dérange pas. Waouh, c'est hyper bien. Regardez, il y a plein de trucs. Des petites images. Des petits artworks. Ouais, il y a des trucs, ça ressemble à rien. C'est dégueulasse. Ça dégueulasse. Bon, il y a quoi en haut? Ah, ok. Autant pour moi. Je pensais pas que je finirais sur le toit. Ouais, un coffre doré. Papier de soie. Bon, c'est de la merde encore. C'est ça le délire? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Papier de soie. Rareté 7. Je crois que c'est de la merde. Papier... Non, c'est... ça va. Mais il n'y a qu'une compétence aléatoire, donc ça m'intéresse pas des masses. Ah, par contre, ça serait très intéressant pour lui, parce que là, augmenter l'attaque, il m'en fout un peu. Là, ça deviendrait carrément plus intéressant. J'ai limite envie de lui... l'équiper. Ouais, je veux lui en équiper. Parce qu'honnêtement, qu'il ait de l'attaque au corps à corps, qu'est-ce que ça sert sur son perso? Hop là. Tant pis, il n'y a qu'une seule compétence aléatoire pour le moment, mais bon, je le changerai quand ça viendra. Alors, bonjour, je sais plus. Vous savez pas où elle est l'autre conne, là? Je sais pas qui c'est. Je sais pas à quoi elle ressemble. J'arrive pas à prononcer son nom. Mais faut la trouver. Si, mais on va y arriver. Hein. Si, on va le faire. Do it. Ok, d'accord. Ah, mais non, mais c'est parce qu'on était venu là. Par contre, il y a un mec avec un ukulélé qui est en train de me poursuivre. Je sais pas où il est, mais ça me fait très peur. Ok, bonjour tout le monde. Ok, c'est là qu'il y a le Jarl, c'est ça? Par contre, le délire de la ville comme ça, au pied d'une... une falaise comme ça, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. J'adore le concept. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bonjour, je vends des poissons et en plus je suis chauve. Vous connaissez une femme du nom de Grimoire? Elle possède un air d'aristocrate légèrement apathique, un peu comme une noble dame au crépuscule de la vie. Mais c'est quoi cette description de merde en même temps, vieux citadin? Je ne la connais pas, désolé, mais je vais te dire une chose, je vends le meilleur poisson du... Un petit garçon de ton âge ne devrait pas parler comme ça, tu risques de finir sur le bûcher. Très bien, je suis désolé. Pardon? Ok, je... On n'aime pas trop les gens ton genre, ici. Mais pourquoi ça? Parce qu'on comprend pas quand tu parles. D'accord, ok. Jeune garçon, à la cathédrale, un homme m'a dit que son petit frère était mort de la maladie des 12 ans, quand il était enfant. La maladie des 12 ans, on ne peut pas en guérir, il paraît que l'on naît avec, ou que c'est une malédiction qui touche ceux qui ont assisté à quelque chose d'inhumain. Une malédiction, c'est vrai, ne t'inquiète pas, c'est une maladie très rare, seule une personne sur des dizaines de milliers en est atteinte. Tu ferais mieux de t'inquiéter du fléau démoniaque. Démoniaquement démoniaque. Qui crée des démons démoniaques. De manière démonique. Qu'est-ce qu'il dit? Il va fermer sa gueule? C'est chiant, là. Ok. Putain, mais j'atterris où, là? Ouais, non, mais c'est relou. Ah, mais si, mais ça a l'air d'être là-bas, hein. Mais attendez, il y avait un dialogue sur la place. Il va se calmer avec son putain de ukulélé. On va lui foutre dans le cul, lui, hein. Hein, quoi? Oh, tellement l'expédition, elle s'est terminée, hein. Ouais, non, mais putain, il a toujours pas trouvé, mais c'est infâme. Il va jamais finir, ce bordel. Oh, il le fait en 25 minutes, maintenant, l'expédition. Sympa. Peut-être parce qu'il a pris beaucoup de level. Je sais pas, c'est possible. Alors, bon, le dialogue, c'est pas par ici. Oh non, tu te fous de ma putain de gueule de race de chiasse. Race de chiasse, c'est pas mal, ça. C'est une belle expression. Si, je vous assure, c'est une belle expression. Bonjour. Elle est là et vous m'avez l'air suspect. Et je vais devoir vous demander de vous identifier. Si c'est un titre de voyage que vous voulez, nous en avons un. Donnez-moi ça, la ménagerie de mes inoux, hein. Bah, très bien. Mais je vous préviens que vous feriez mieux de vous habiller de manière plus sobre, même en tant qu'artiste. Et si vous n'aviez pas une exorciste parmi vous, je vous aurais embarqué pour une interrogatoire. Vous avez tout à fait raison, je m'assurerai qu'ils comprennent la leçon. Mais oui, mais habille-toi, bordel. C'est pas possible.
C'est vraiment un kiki dingue. Je sais que je pourrais mettre le skin de la paysanne, mais ça aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens, ça détruirait tout. Donc je veux pas faire ça. Ah, c'est lui qui avait un dialogue. Mais t'as genre un dialogue utile, parce que c'est bien beau tout ça, mais bon. Bon, ok, on a trouvé le dernier coffre, en tout cas. Ouais, vas-y. Au moins, on a trouvé le dernier coffre. Alors, qu'est-ce que tu dis de beau ? この地方だけに生息するウキウキは製材すると軽くて丈夫で腐りにくくて造船に適してるんだよね。よく知ってるな。遠洋船ができるずっと前、まだミッドガンドとサウスガンドが別の国だった頃、この島のご先祖がウキウキの丸太を組んだイカダでミッドガンドまで渡ったんだ。イカダで海峡を渡ったことに驚いたミッドガンドの職人はご先祖と一緒に島にやってきた。その人がウキウキを使って大きくて頑丈な船を作ったんだね。それをきっかけにミッドガンドとサウスガンドの貿易が始まって、一気に大航海時代が始まった。新しい時代にみんなウキウキしてたのに、数十年後ミッドガンドはサウスガンドに戦争を仕掛けたんだ。皮肉だね。自分たちの島で取れた材木を使って敵が船を作って攻めてくるなんて。結構長い間ドンパチやってたんだが、結局はミッドガンド王国が勝って支配者となった。大航海時代は大航海時代なんてご先祖たちは嘆きながらも大笑いしたそうだよ。辛いのに笑ったの？サウスガンドの人たちってのはもともとは明るくて元気な気質なんだよ。今はいろいろあるが、昔は笑い声の絶えない島だったらしい。スマイルガンドなんて呼ぶ人もいたそうだよ。スマイルガンドか。きっと楽しい島だったんだろうね。Ouais, hyper intéressant. Des gens heureux. Horrible. Le fléau démoniaque démonique nous a dérobé nos sourires démoniaques. Hein? Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Et pourtant, nous devons tout de même persévérer si nous voulons triompher. Le sourire est un symbole de bienvenue envers le berger. Oh là là, m'emmerdez avec votre berger de merde. De toute façon, j'ai jamais aimé les moutons. Qu'est-ce qu'il dit ? On comprend pas. Mais si, c'est métaphorique. Vous comprenez pas les moutons, tout ça, ceux qui... Ouais, bref. C'est sympa aussi, là, passer comme ça sous les pontons. Moi, j'aime bien. J'ai vu un coffre de Minouze. Il va falloir aller prendre cette merde, là, hein, qui va nous donner rien. Parce que c'est bien rien quand même, c'est vachement sympa de ne rien avoir. J'ai trouvé un Minouze, et le Minouze ne vous donne rien. C'est quand même fabuleux, moi je trouve ça extraordinaire. Oh bon, on va y aller. Non mais moi je veux aller voir le coffre. Non, je peux pas. Tu fais le tour. Tu casses les couilles. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur de te mouiller les mollets? Ah, on va se faire les mollets. Putain, j'en ai marre. Ok. Ouais non, mais cet épisode va durer 1000 ans. Parce que je passe ma vie à explorer cette ville, enfin ce village, village côtier. Ouais, mais bon, en même temps, ça fait partie du game, hein, je suis désolé. Ça fait clairement partie du game. Quand on découvre un nouveau village, bah voilà, c'est ça le délire, c'est essayer de l'explorer, de voir comment c'est foutu, de voir un petit peu qui y a présent, un petit peu les histoires du coin, pour un petit peu comprendre l'ambiance générale du coin. Ah, par contre, ça me saoule, hein, parce que ça a l'air d'être une église. On voit une église, on voit le prêtre, un garde. J'ai pas très très envie d'y aller là-bas. Bon, visiblement, notre quête est dans cette direction. Oh, on pourrait voir ce qu'ils ont à dire dans l'église. Ouais, non, j'y reviendrai plus tard. Ils vont me saouler sinon. Allez, allons là-bas. Fuyons les églises. Ok, on est dans la bonne zone. Alors, par contre, encore une partie du village. C'est immense ici, hein. Nous avons un fort secret caché sous la terre là-bas, mais n'en parle surtout pas aux adultes, d'accord ? D'accord, je garderai le secret de ton fort secret caché. What the fuck ? Il aurait dû dire de ton fort secrètement caché. Qu'est-ce qu'ils font ces gamins en bas ? On ne sait pas. Ça pareil, peut-être que c'est un clin d'œil à d'autres Tales of, mais je ne peux pas le savoir, parce que je ne connais pas la licence. Bonjour.
Les maisons d'isole sont bâties sur pilotis pour rester au-dessus du niveau de la mer à marée haute. La ville ressemble à un immense radeau. Ah, je comprends maintenant. Ah, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une technique astucieuse ou d'une réalisation à rater. Alors toi, t'es vraiment con. Hein. Ah, j'en ai connu des débiles. Mais alors, des comme toi... Bien, je crois que j'ai fait un lapsus révélateur. Je suis bête. Ouais, comme mes pieds. Non, mes pieds sont plutôt intelligents. Non, parce que je me cogne rarement le petit orteil, qui sont intelligents. Aizen, nous cherchons une femme du nom de Grimoire. Ah, une connasse, quoi. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne la connais pas. Et pour être honnête, c'est une très mauvaise phrase d'approche. Vous allez devoir faire beaucoup mieux si vous voulez avoir une chance de me séduire. Oh, va te faire foutre. Au moins, j'ai trouvé une femme de goût. Non, moi je lui ai répondu, va te faire foutre. Nous vivions dans la plus totale liberté de ce gant. Alors certains ont beaucoup de mal à supporter les règlements de l'abbaye, mais si on y réfléchit, c'est notre chance de nous débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes. Exactement, par exemple, avant on plongeait directement nu dans la mer, maintenant nous devons nous s'échauffer et mettre un maillot de bain. Non mais quel putain de rapport. Quel putain de rapport. グリモネーさんの手がかりはさっぱりだな。シュイドルギュレーションアピスピュピュ。あんたが受け取った手紙っていつの話？さて、去年じゃったか、10年前じゃったか。ふざけ続けるならサメの餌にするぞ。五章じゃ、せめて食らうけんのおやつにしておくれ。なんなら私が食らって、あいつ引き継ぎはすべて済ませておきました。着任と同時にあなたの指揮で皆が動けるように。助かります。でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力と素質がある。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。はい、しっかり務めます、姉上。パラミデスへの派遣。この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。心得ました。それから生水は飲まないように。姉上おせっかいすぎますね。わかっているのですが、どうしても。ハリアのゴーマ、派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用できるかも。それにしても奇遇じゃの。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。私を疑うのはわかります。でも証拠があるのですか？証拠はない。でも大魔師のあんたは清涼の断りとつながってる。わしらには仲間のつながりがないかな。エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの。お風呂に入る時も監視しとるのか。お風呂の時は僕外にいるからわからないけど。その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。
お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。Putain, il y a l'autre con avec son ukulélé qui a débarqué au milieu de la cinématique. Il a calmé tout le monde. Mais je le vois trop, le mec débarqué avec son chapeau de paille et son petit ukulélé, tu sais, il est là. Ah putain, si, c'est hyper drôle. Je trouve ça hyper drôle. Je vous emmerde. Voilà, j'ai pas d'humour, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez rien faire. Voilà, vous allez subir mon humour de merde. Mon humour de merde inexistant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, je fais des ronds, et j'en suis net. Allez, hop. 気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ。putain la métaphore。なら、できるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違うか。私からマギルーが何とかするとして。あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方がエレノアが起きたときにも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？ううん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる、うん、ベルベットたちと一緒にいるときは顔が怖いけど、寝てる時はもっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。ああいうのが好みなんだ。でもそれはそれ、監視は監視。でも、あ、年上の女には気をつけなさい。Encore une scénette? Ah ouais, mais j'ai pas modifié le son en plus. Teresa et Oscar sont des bons frères. Je connais les deux depuis le temps de l'entraînement, mais je n'ai jamais vu qu'ils se battent une fois. Tu n'as pas vu Velvet se battre avec son frère? Oui. Si tu te fais battre, ton frère se bat et ne parle plus. Mais c'était aussi mignon. Mignon? Si tu te fais battre, 背伸びして大人びたことを言っても気づくと私の後をついてきてて、まるで子犬じゃのう。犬の方がよっぽど言うことを聞いてくれるわ。でもやっぱり放っておけなくて、弟って不思議な生き物なのよ。六郎も可愛いのかな。え、自分を切り殺そうとしてる弟なんて可愛いわけないでしょ。でも、しぐれは楽しそうだったよ。あんた、時々理解の外へ飛んでいくわね。そうかな。弟か。お主、兄弟姉妹は？一人っ子です。ならばちょうどよいではないか。この際、坊を弟にすればよかろうって。それは極端な話ですが、ライフセットと話していて、弟がいたらこんな感じかなと思うことはありますよ。僕がエレノアの弟。ライフセット、そんなザレ言本気にしないで。精霊を道具として扱うタイマシがあんたを弟みたいに思うはずがないでしょ。あ、うん。道具扱いの件に関してはすでに考え方を改めています。だからこそ弟を感じるのです。本当ですよ。うん、信じちゃダメよ、こんな上辺の言葉。自分の言うことを押し付けているあなたの方がよほど道具扱いしているように思いますけど。おうおう、弟をめぐって二人の姉の対決じゃ。坊の好みはフィッチ、ウィッチ、フィッチ。
お兄さんがいいよ。C'est bon, vous avez fini vos conneries? On peut passer aux choses sérieuses? Ça fait 40 minutes, nique sa mère! Ouais, non, mais en fait, je vais couper là. Hein. Je vais couper là, et comme ça, la prochaine fois, on continuera d'explorer tout ça. Mais en fait, c'est super tard, je suis en train de calculer. Enfin, je suis en train de calculer que dalle. Je suis juste en train de regarder l'heure. Waouh, il fait nuit à l'extérieur, ça me fait hyper peur. Ouais, mais je vais m'arrêter là. Pouah, peut-être que je filmerai un petit peu après, si j'ai le temps. Ah, mais merde, mais je rebosse demain. J'en ai marre. Ok. Ouais, je vais cutter là. C'est de manière assez abrupte dans cet épisode. Il ne s'est pas passé grand-chose. On a surtout exploré le village côtier. Avec un mec armé d'un ukulélé qui nous a poursuivi absolument partout. Mais c'est pas grave. On aime bien, hein, y a pas de problème, c'est plutôt atypique. Mais la suite, on continuera, voilà, de parler à tout le monde, et puis on ira enfin trouver l'autre timbré, là. Bon, elle va forcément être timbrée, puisque c'est un personnage important. Bah, sur ce, c'était Guinée42, je vous dis à la prochaine pour la suite de Tales of Berseria. D'ailleurs, je suis en train de me dire que Tales of Berseria, je sais pas, il dure combien de temps le jeu, 150 heures? Non, parce que... Non, mais juste avant qu'on se quitte. 44h37. Voilà. Alors certes, tu peux virer quelques heures parce que je laisse le jeu tourner et puis je mange à côté, mais globalement, ça fait très longtemps qu'on y joue. Et le jeu nous fait clairement comprendre que il nous reste masse choses à faire. Donc je sais pas, c'est chelou quand même. Je trouve ça étrange, parce que même au niveau de la carte du monde, voilà, clairement, il va y avoir quelque chose là-bas, des trucs là-haut. C'est vraiment, 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 vraiment étrange. Ça me paraît très étrange. Je sais pas, le jeu doit durer 1000 ans. 1000 putains d'années. Sur ce, je vous dis au revoir, et à la prochaine.